L'objectif, c'est où vous voulez aller. C'est le Stade de France. C'est la finale. C'est la finale. C'est votre moteur. J'ai quand même une deuxième famille pour moi. Faut qu'on démontre qu'on est au-dessus d'eux. Partout, techniquement, physiquement, tout, même mentalement. On n'a pas fait 6 heures de route sans la victoire. On a gagné aujourd'hui, tous ensemble. Je sais pas moi. 16e de finale. Cette étape, toujours se reprendre d'où vous êtes parti pour atteindre voilà, le Stade de France. Ça demandera de votre part encore plus hein, de solidarité, de gestion des émotions. Voilà. Être capable, voilà, par la technicité, ça c'est aussi votre savoir-faire, hein, user, créer des brèches. Hein, user, créer des brèches, et puis de temps en temps utiliser le jeu direct. Et avoir cette dimension de jeu collectif défensif dans les liens, entre les lignes, entre vous. Là, il va pleuvoir pendant le match ? Non. Et là, s'il commence à pleuvoir pendant le match, ça va être relou. Il va vite se détériorer. Comme on a réussi à prouver que tout ce qu'il avait écrit sur le rapport, c'est pas vrai, il y a des chances que la sanction soit. N'a pas gagné. Là, on avance petit à petit, c'est excellent. On a gagné 2-0, clean sheet, on continue. Alors moi, je suis team manager des U19. C'est un rôle qui consiste un petit peu à organiser toute la partie logistique autour de l'équipe, pour le staff et pour les jeunes. Et l'idée, c'est de mettre en lien tous les services du club pour faciliter un petit peu la vie de tous les jours, que ce soit pour les joueurs et pour le staff. L'idée c'est, du team manager, c'est d'être le représentant aussi aux yeux de la fédération, aux yeux de la Ligue de Paris, le représentant du club. Et pour ça, voilà, avec les délégués, on a beaucoup d'échanges, avec les clubs adverses, on doit donner une image qualitative du club. Et c'est à travers ces moments-là, les feuilles de match, les présentations avant match, pendant le match. C'est important que le match se déroule très bien et l'après-match également. Ce qui est important, c'est voilà, on est dans le cadre du foot et la cohésion du groupe est super importante. Et pour travailler cette cohésion, on peut emmener les jeunes sur différentes sorties. Voilà, des sorties au paintball, des sorties au restaurant. Le but du jeu étant de trouver des liens entre tout le monde. Et voilà, la sortie à l'hôpital aussi de cet après-midi-là va permettre de découvrir un autre aspect des jeunes et du staff. Vous allez voir, c'est peut-être rien pour vous, mais là, pour les personnes que vous allez voir, les enfants notamment, c'est beaucoup.
c'est beaucoup de choses. Donc, avec votre petit âge et votre petite expérience, vous pouvez apporter vraiment des choses à des enfants. Profitez un peu de l'instant. Parce que vous êtes tous les jours dans des conditions de dingue, là. Et eux, ils sont là tous les jours. Juste kiffer, et vous, en kiffant, vous allez les faire kiffer, c'est sûr et certain. François, là, la présentation. Écoutez, on est absolument ravis de recevoir la fondation PSG, les enfants d'abord. Les enfants, c'est quelque chose d'absolument capital, mais les enfants malades, c'est quelque chose de particulièrement déchirant, particulièrement préoccupant. Donc merci en tout cas pour l'accueil dans cet hôpital de Poissy. Et c'est un moment important pour eux et en tout cas ils seront ravis de vous rencontrer. C'est parti les gars, allez. Et là, regarde qui c'est qui vient. Tu connais le PSG? Ouais, et t'aimes bien? Ouais, t'aimerais bien jouer au foot avec eux plus tard? En fait, ils t'ont ramené un petit sac avec des petits cadeaux pour toi. Oh! Il y a encore, merci. Hein? Ouais, il y a encore. Il y a une frère, une soeur. Ah ouais. Moi aussi, je vais taper. Voilà. Non, mais doucement aussi, doucement. Je suis un débutant encore, moi. On sait que c'est pas facile au quotidien, ce qu'ils vivent. Nous, on a la chance d'être en bonne santé. C'est des moments forts, on essaye de transmettre beaucoup de joie, des ondes positives, et je pense que c'est ça le plus important. We are in a total another reality, and this is real life. And the kids here are maybe in difficult moments, so I think it's good that we are here. Aujourd'hui, ce matin, Kadil était mis à notre disposition, donc il a fallu vite intervenir derrière et organiser son déplacement jusqu'ici pour qu'il puisse être à l'heure sur le départ. Donc, il sera sur le terrain. Il sera bien sur le terrain demain, ouais. Oui. Non. T'as fait ça, ouais. Un sacré bus, ça. Sacré bus. Monsieur, donne-moi 4 cartes. Vas-y,
Il a passé les lumières, il va maintenant. T'es sérieux? Enchanteur. Voilà, on va faire pour. Dès que je rentre, les gars, ok. Tout le monde chante ensemble. Ah là, 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 c'est nous ou pas? Oui, aïe! Oui, aïe! Vas-y, chanteur. Allez, voilà, vas-y, Tim. Allez, sois bon, chante-toi. Je suis bon, t'inquiète. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci à tous d'être là pour moi, c'est un jeu important pour moi, c'est l'âge légal pour moi. Je suis très content d'être avec vous, J'ai quand même une deuxième famille pour moi, et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, et merci. L'âge légal. On se rapproche petit à petit de ce huitième de finale et j'ai envie de dire ce que Kenny nous a dit hier. Moi j'ai trouvé ça très touchant et tellement vrai aussi à un moment donné de parler d'une deuxième famille. L'objectif c'est où vous voulez aller, c'est le Stade de France, c'est la finale. Tout le monde méritait de jouer, Ok, Nathan, t'as fait les trois matchs, là tu vas être prêt à rentrer. Edouard, t'es rentré à chaque fois. Théo, t'es là en 17e, au cas où. Hein. Et Romain, pareil, on est prêt. Eux, ils veulent vous taper. Vous, vous voulez aller au Stade de France. Pour moi, c'est toute la différence. Je t'ai chaud, c'est comment? Ah, il a chaud. Jamais. Regardez le match. Lui? Bah ouais, frère, il a une sourire. C'est pas ton ami? Non, on a 18 ans. C'est fou, tu vas pas mettre un but aujourd'hui. Comment? Si c'est vraiment vraiment blindé, il y aura même des gens là-bas derrière. Ouais, je sais. On m'a dit que ça serait ça. Enfin, là, il y aura tout le monde. Il y aura ta main. Ouais, il y aura la tienne aussi. Il doit finir aussi. Ouais. 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 Tu veux essayer, ouais. Allez, ouais, c'est bon. Bonne chance et bon match à vous. Merci. Allez, bon match. Bon match à vous. 5 minutes, on est prêt. 5 minutes, les gars. Ok. Ah oui. Non. Ouais, très bien. Voilà, petit changement d'allure. Les joueurs. Oui, très bien. C'est pas grave. Par rapport à la conservation, là, ce que vous avez fait, c'est bien. On aurait traduit sur le terrain la même chose. Faut qu'on démontre qu'on est au-dessus d'eux. Partout, techniquement, physiquement, tout, même mentalement. On n'a pas fait 6 heures de route sans la victoire. On doit gagner aujourd'hui, tous ensemble. Très bonne première mi-temps. L'objectif, c'est de faire une excellente
deuxième mi-temps. Super mi-temps, les gars. Hein. Maintenant, il y a une chose sur laquelle il faut insister, c'est sur l'aspect défensif sur la deuxième mi-temps. Un peu plus tard.